Oreca est devenu au fil des années l'un des constructeurs français les plus importants dans le milieu du sport automobile. Plus de 100 châssis en LMP2, une implication dans plein championnat et un support de choix pour certaines écuries en hypercar. Bref, c'est un monument. Un monument auquel on ne pense pas forcément naturellement, mais qui a amené beaucoup de pilotes au sommet. Voici Oreca. Oreca a été créé par un homme dont j'ai souvent cité discrètement en vidéo, Hugues de Chaunac, un personnage central du sport automobile français. Hugues Philippe de Chaunac-Lanzac est né le 30 avril 1946 à Baden-Baden en Allemagne. Vivant en région parisienne, il se passionne rapidement pour l'automobile et débute sa carrière de pilote en Renault 8 Gordini, une coupe très populaire en France à l'époque. Après plusieurs podiums, il passe en monoplace en Formule Renault au début des années 70, mais Hugues décide de changer d'horizon. De Chaunac quitte donc son rôle de pilote pour créer en 1973 son écurie, Oreca, jugeant que ses qualités seraient mieux exploitées de l'autre côté du muret. Oreca qui est un acronyme qui signifie Organisation, Exploitation, Compétition Automobile. J'étais très surpris d'apprendre qu'il y avait un sens à ce nom, un peu comme quand t'apprends qu'il y a un ours dans le logo Toblerone. Bref. Oreca s'installe dans un premier temps à Manicourt et va débuter en monoplace. Formule Renault, F3 française, F2 en engageant des voitures, autrement dit c'est une équipe. On fait souvent l'amalgame à cause de la Formule 1 où toutes les équipes sont des constructeurs mais une équipe n'est pas nécessairement un constructeur. Et rapidement, Oreca se place parmi les meilleurs en décrochant en 75 son premier titre avec Jacques Lafitte en F2 au volant d'une Martini BMW. Ce n'est que le début pour Oreca qui se fait donc un nom dans le milieu en amenant énormément de grands noms au sommet du sport automobile. Deux ans après Jacques Lafitte, ce sont Didier Pironi et René Arnoux qui font briller l'équipe nivernaise. Nouveau titre en F2 pour les Isérois quand Pironi remporte le Grand Prix de Macao. Puis en 79, c'est Alain Prost qui domine la F3 avec le soutien d'Oreca. Alors, à l'époque, Oreca ne s'engageait pas sous son propre nom. Par exemple, en 1975, lorsque Lafitte gagne le titre de F2, l'écurie s'appelait équipe Renault Elf. Du coup, elle s'inscrivait directement dans la lignée qui amenait les pilotes français au sommet du sport automobile vers la Formule 1, mais ça s'appelait pas Oreca. Mais dans le milieu, l'écurie de Hugues de Chaunac fait parler et se fait une réputation intéressante. Et il faut se diversifier. En 1977, Oreca va découvrir les 24 heures du Mans en apportant son soutien pour l'exploitation d'une Renault Alpine A442. Plus précisément la numéro 16 en compagnie de Jackie Aran et pilotée par Guy Fréclin, Didier Pironi et René Arnoux. Ça a de la gueule. Bon, ça ira pas bien loin parce que dès le premier tour de course, un incendie se déclare sur la voiture et du coup c'est l'abandon. Mais à partir de là, les 24 heures du Mans vont devenir une terre sacrée pour Hugues de Chaunac. Puis Oreca ne va pas seulement sourire aux prototypes, ils vont sourire aux GT et aux rallye. Développons donc un savoir-faire unique. Au début des années 80, Hugues de Chaunac s'associe avec BMW qui débarque avec les fameuses M1, que ce soit aux 24 heures du Mans mais aussi en rallye. Mais on ne va pas se le cacher, pour le moment, les plus gros succès d'Oreca sont en monoplace. Les frères Ferté, Alain et Michel rapportent beaucoup de victoires et de titres en F3 à Oreca à l'aube des années 80, puis Olivier Grouillard prend la relève de même que Yannick Dalmas. L'efficacité de l'écurie de Hugues de Chaunac dans les formules de promotion de la Formule 1 n'est plus à prouver, mais ils vont décrocher des succès ailleurs. En 1985, Oreca apporte son soutien au constructeur Peugeot qui débarque en groupe B avec sa mythique 205 T16. Et à force de glaner les succès, Oreca se voit proposer de plus en plus de partenariats avec de grands constructeurs dans plusieurs horizons du sport automobile. Admettons, un constructeur veut se lancer dans la course automobile, mais si tu pars de zéro, bah t'as beaucoup de trucs à faire, t'as construit une voiture, trouver du personnel, qualifier, tout ça, donc sous-traiter peut être une bonne solution. Et notamment sous-traiter sans exploitant pour la course, et c'est là qu'Oreca intervient. L'écurie française prend donc en charge l'exploitation de l'écurie sportive du constructeur. C'est ce qui s'est passé avec BMW, Peugeot, puis Lada pour le Rally Raid à cheval entre les années 80 et 90. Puis en parlant de partenariat, laissez-moi vous présenter mon partenaire qui me confie des responsabilités. Oli. Oli est une marque de boissons allemande dont ses produits sont fabriqués à Berlin que j'apprécie beaucoup. Chez eux, vous trouverez deux gammes de produits, les énergisantes d'un côté et les iced tea de l'autre. Le tout avec beaucoup de goûts disponibles et ça c'est cool. Maintenant, vous vous demandez quel est l'avantage concurrentiel de Oli. Oui, parce qu'on parle d'Oreca qui arrive à se distinguer et à proposer des très bons services, et bien Oli c'est pareil. Les boissons Oli sont plus saines que la plupart des boissons du marché. En plus,
Pour parler technique, les effets, admettons énergisants, sont plus efficaces et durent plus longtemps. Mais aussi, c'est plus écologique. Je m'explique, un pot comme celui-ci, c'est 50 portions. Donc 50 portions de ça. Une portion, c'est ça. Donc c'est 50 canettes qui sont pas rejetées. Et en plus, c'est plus économique parce que remis à la même quantité par rapport à d'autres boissons du marché, ça coûte moins cher. Plus économique. S'ajoute à ça le bon goût des produits. Et si vous voulez rejoindre l'aventure, je vous ai mis un lien en description qui vous redirigera vers le site de Holly et profitez de deux codes promotionnels. Le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5€ de réduction sur votre première commande si vous êtes nouveau client. Maintenant, si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas quoi choisir parmi tous ces produits, je peux vous conseiller le pack découverte qui vous offre plusieurs échantillons de quasiment tous les produits de Holly, énergisant et Ice Tea. Sinon, je vous conseille celui-ci, l'Alligator, qui est donc un produit énergisant à la pomme. Mais quelque chose de spécial arrive à l'approche des fêtes, un calendrier de l'Avent Holly. Vous avez deux possibilités, le petit format avec 24 goûts classiques ou le format squad avec 24 goûts inédits. Merci à Holly pour son soutien, merci à vous de jouer le jeu, merci également pour les retours que vous faites sur les intégrations ainsi que sur les produits. Et nous, on continue avec Horeca. En 1987, Horeca s'installe à Signe, dans le Var, et son palmarès va continuer de grandir. En rallye, Horeca contribue au succès de Peugeot avec notamment les titres de champion de France Rallycross en 88 et 89 avec Fréquelin et Vanberg. En monoplace, Eric Comas, Jean Lézy et Jean-Marc Gounon ramènent des couronnes dans le Var. Mais surtout, en 91, Horeca remporte les 24 heures du Mans avec la mythique Mazda 787B. Un succès monumental pour cette équipe qui, 13 ans après ses débuts dans la Sarthe, remporte la plus grande course du monde. Durant cette période, Hugues de Schoenaeck sera un temps le team principal de l'écurie de Formule 1 AGS, mais suite aux nombreux soucis financiers, le boss d'Horeca ne fera pas de miracle, clôturant ainsi le chapitre de la F1 après une tentative avec le constructeur Martini à la fin des années 70 qui n'est pas allé bien loin. Bref, revenons à nos moutons. Dans les années 90, Horeca se réoriente. Les succès en monoplace se raréfient, mais heureusement, l'écurie française va gagner ailleurs. Après Mazda, Horeca retrouve les BMW avec les 318i qui brilleront dans les divers championnats de super tourisme. Plusieurs titres sont acquis grâce à des Yvon Muller, Stéphane Ortelli, Soaya Yari ou encore Laurent Aiello. C'est dingue la quantité de pilotes iconiques, spécialement tricolores, qui sont passés par Horeca. Mais vu qu'ils ne roulent pas avec leur propre nom, bien souvent ça passe inaperçu. Mais vu le nombre de victoires qu'ils obtiennent dans plusieurs catégories, ça démontre leur savoir-faire ainsi que le savoir-faire français en sport automobile. Après BMW, Horeca va s'associer avec Chrysler en GT. Et pour le coup, le nom Horeca est présent. Avec la Viper GT2, l'écurie de Hugues de Schoenaeck va briller dans le monde à partir de 1996. Champion équipe en FIA GT en 97 et doublé aux 24 heures du Mans 98 dans leur catégorie. Victoire de Justin Bell, David Donohue et Luca Drudi sur la 51 devant la 53 d'Olivier Beretta, Pedro Lamy et Tommy Archer. Cette GT américaine fait partie des bolides les plus emblématiques de l'endurance et des 24 heures du Mans, et c'est en partie grâce à Horeca. Et la domination continue avec un nouveau doublé en 99 au Mans, ainsi qu'un troisième titre en FIA GT, sans oublier un titre en American Le Mans Series, devenu le championnat d'endurance de référence. Mais 2000, c'est encore au-dessus. L'année commence avec une victoire aux 24 heures de Daytona, suivie d'un triplé aux 12 heures de Sebring, puis d'un doublé aux 24 heures du Mans, le tout couronné d'un titre en ALMS. L'association Chrysler-Horeca domine le GT, mais malheureusement, les ambitions du constructeur américain vont les ralentir. En effet, Chrysler se lance en LMP 900 et Horeca retourne donc dans la catégorie reine de l'endurance prototype. Malheureusement, les Audi R8 sont au-dessus du lot et il est impossible de les concurrencer directement. Cela dit, en 2001, Horeca termine 4ème des 24 heures du Mans avec Beretta, Wendlinger, Lamy. En 2002, c'est avec Dallara qu'Horeca se présente en LMP 900. Stéphane Sarrazin réalise une superbe qualification mais les Audi reprennent l'avantage en course. Néanmoins, il termine à d'honorables 5ème et 6ème place. Pour ce qui est du GTS, les Vipers semblent avoir fait leur temps. En 2005, Horeca revient avec de l'ambition et pour cause, ils vont engager une Audi R8, la meilleure voiture de l'époque. Le tout avec Franck Montani, Stéphane Ortelli et Jean-Marc Gounon. Ils passent l'entièreté de la course dans le top 5 et terminent, comme en 2001, à la 4ème position. En parallèle de l'endurance, Horeca a retrouvé le chemin de la victoire en rallye avec Citroën puis avec Renault en championnat d'Europe ainsi qu'avec Toyota. De plus, en GT, l'association avec Saline est fructueuse et Soaya Yari ramènera avec ses équipiers des victoires et des titres. D'ailleurs, en 2007, Horeca participe aux 24 heures du Mans en GT1 avec ses voitures américaines. N'oublions pas dans tout ça un autre fait d'armes remarquable, le titre de champion du monde WTCC avec Yvon Muller et Seat.
Ça fait beaucoup de lignes de palmarès et dans la deuxième partie des années 2000, Oreca va passer un cap, passant d'exploitant à constructeur. Déjà, il faut savoir qu'Oreca a racheté une entreprise de préparation moteur dans les années 2000, ce qui rajoute une branche dans leur spectre d'activité. Mais en 2007, l'écurie varoise va tout simplement racheter Courage. Achetant au passage un savoir-faire précieux qui compte plusieurs décennies d'expérience, notamment avec Pescarolo. Entre autres, parce que Courage vaut également le détour. L'année 2008 fait office de transition pour Oreca et en 2009, cette écurie devient constructeur avec l'Oreca 01 qui sort des ateliers. Celle-ci est engagée à titre officiel en LMP1 et débute lors des 1000 km de Spa. Aux 24 heures du Mans, impossible de lutter face au prototype diesel, mais dans leur catégorie essence, Oreca s'en tire bien et termine 5e devançant ainsi le rival Pescarolo. La 01 montre de très belles choses et remporte sa première victoire lors des 1000 km de Silverstone avec Panis et Lapierre. Dès lors, si Oreca continue d'apporter son soutien dans différentes catégories comme le rallye ou la monoplace, c'est l'endurance qui devient son programme principal. En 2010, Oreca engage aux 24 heures du Mans deux voitures à titre officiel. Une 01 confiée à Soya Yari, Didier André et Andy Merrick, ainsi qu'une Peugeot 908 HDI FAP confiée à Olivier Panis, Nicolas Lapierre et Loïc Duval. Autant vous dire que Dochonac a beaucoup d'espoir pour son équipe. Les Peugeot sont diablement rapides, mais manquent de fiabilité. La numéro 3, puis la numéro 2, et enfin la 1 doivent renoncer durant la course, laissant 3 Audi en tête. Il ne reste plus que la Peugeot Oreca avec Loïc Duval qui chasse l'Audi en 3ème position. Le français enchaîne les records, mais cette Lyon casse également. Dommage. Au final, c'est la 01 qui prend le meilleur résultat pour Oreca avec la 4ème place une nouvelle fois. Cette 01 est une bonne voiture et beaucoup de privés vont se tourner vers eux et le nombre d'Oreca engagés va augmenter. Les réglementations évoluent en 2011 avec des voitures qui doivent se préparer à recevoir l'hybridation à partir de 2012. Oreca reste sur la version de 2010 et en début d'année, il remporte même les 12 heures de Sebring avec le trio Panis, Lapierre, Duval. Ce qui est un exploit tricolore car c'est la seule écurie française à remporter cette course avec une voiture française et un équipage français. Cocorico. Pour cette nouvelle saison, l'Oreca 03 voit le jour et elle est destinée au LMP2. Quant à la 01, elle sert de base pour le team suisse Hop Racing qui roule en hybride au Mans 2011. Pour cette édition qui voit un bras de fer légendaire entre le Lyon et les Anneaux, Oreca termine juste derrière, à la 5ème place, derrière les 3 908 officiels et la R18 victorieuse. Dès lors, une page se tourne pour Oreca. En 2012, Peugeot n'est plus là, mais les qualités d'Oreca sont notables. Leur châssis 03 est très bon et va se répandre un petit peu partout dans la catégorie. Quant au team, leurs qualités opérationnelles, on va dire, sont bonnes également. C'est pourquoi Toyota s'appuie sur Oreca pour leur retour en endurance, et ça va durer jusqu'en 2020. Avec le constructeur Nippon, Oreca connaîtra beaucoup de succès, mais également des gros coups durs comme en 2016 et 2017. Où les images d'un Hugues Dochonac en larmes après les malédictions de Toyota sont encore gravées dans ma tête, et j'imagine, dans la tête de beaucoup de passionnés. Mais c'est bien avec Toyota qu'Oreca retrouve par 3 fois la victoire au général, en 2018, 2019 et 2020. En plus de Toyota, Oreca fabriquera les châssis pour Rebellion à partir de 2014 avec les R1, puis avec la R13 à partir de 2018. La R13 sera rachetée par Alpine qui la renommera A480 à partir de 2021. Cette voiture offrira à Oreca ses premiers succès en hypercar. Ouais, on y reviendra après. Mais si on est honnête, Oreca ne saute pas aux yeux quand on pense à la Toyota TS050. À moins qu'on voit Dochonac et du coup on se dit qu'il y a un lien avec Oreca, mais le nom Oreca, quand on vous présente cette voiture, il vous saute pas aux yeux. En revanche, en LMP2, c'est tout l'inverse. En 2011, Nissan s'associe avec Oreca au Mans en LMP2 et échoue à la 2ème place derrière une Zytec. De 3 voitures engagées dans la catégorie en 2011, on passe à 8 en 2012. 8, c'est rien par rapport à aujourd'hui. Mais toujours pas de victoire en LMP2 car HPD l'emporte. Puis c'est Morgan en 2013 et en 2014, Alpine revient avec un châssis 03. Un retour qui fait penser à la toute première participation d'Oreca aux 24 heures du Mans. Mais Oreca passe encore à côté de la victoire. En revanche, en 2015, c'est enfin la bonne grâce à la dernière née, l'Oreca 05. C'est à partir de ce modèle que le constructeur français va écraser la concurrence en LMP2. Jamais depuis 2015, la victoire leur échappe dans cette catégorie au Mans. Et pas comment d'ailleurs. En Amérique ou en Asie, Oreca prend le pouvoir dans cette catégorie prototype. Puis surtout en 2017, l'Oreca 07 voit le jour et cette dernière va calmer tout le monde. C'est très certainement la plus emblématique des voitures fabriquées par ce constructeur. L'Oreca 07 motorisé par le V8 Gibson va écraser Ligier, va écraser Riley, va écraser Dallara.
c'est la meilleure voiture pour le LMP2. Elle rafle absolument tout, à tel point qu'en 2023, en LMP2 aux 24 heures du Mans, il n'y a que des Oreca 07. Oreca s'est gagné un monopole grâce à une voiture exceptionnelle qui compte aujourd'hui plus de 100 exemplaires. C'est énorme. C'est simple, si vous voulez gagner en LMP2, il vous faut cette voiture, ou alors il vous faut l'interdire. On est en sport auto après tout. Maintenant, l'avenir du LMP2 doit se dessiner. Nul doute qu'Oreca sera de la partie. Mais ça fait déjà un petit moment qu'Oreca prépare le futur. Le futur qui devient de plus en plus présent actuellement. En plus de Toyota, Oreca a apporté son soutien à Acura qui n'est d'autre que Honda. Donc deux constructeurs rivaux. Acura se servira de la base des Oreca pour ses prototypes ARX 05 en catégorie DPI, le LMP1 américain. Et alors que l'hypercar redessine l'endurance prototype à partir de 2021, Oreca se met sur les rangs. Vous savez, l'hypercar se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Sinon c'est le LMH et le LMDH. Les différences, je vous laisse aller voir ma vidéo explicative sur le sujet. Je vous laisse aller la retrouver. Mais en gros, en LMDH, les constructeurs doivent choisir une base de châssis parmi 4 constructeurs. Multimatic, qui a été choisi par Porsche. Dallara, qui a été choisi par Cadillac. Ligier, qui a été choisi par Lamborghini, il me semble. Je suis pas sûr, vous me confirmez sans commentaire. Et Oreca. Acura a ainsi continué sa collaboration avec le constructeur français en basant sa ARX 06 sur leur concept, ce qui leur ont permis de remporter une troisième fois consécutivement les 24 heures de Daytona. Dernièrement, une nouvelle LMDH au châssis Oreca a pris la piste. Il s'agit tout simplement de l'Alpine dont la collaboration entre les deux entités françaises semble logique, la 424. Aujourd'hui, Oreca compte une base très solide dans le milieu du sport automobile. En plus d'apporter un soutien opérationnel à des équipes et de fabriquer des voitures performantes, ils fournissent du matériel à bon nombre de pilotes professionnels ou amateurs grâce à leur boutique. Cette écurie qui a été fondée par Hugues de Chaunac dans les années 70, il y a maintenant 50 ans, oui, 73-2023, ça fait 50 ans, semble plus solide que jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis des liens en description, allez voir également le lien de Holly. C'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, hein. J'en bois régulièrement, donc je vous invite à faire pareil, à les suivre via ce lien et utiliser les codes promotionnels. Sinon, il y a d'autres liens qui vous amèneront vers différents réseaux sociaux, la chaîne secondaire, la chaîne Twitch, voilà, vous savez, à force. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Oreca. À la prochaine. Ligier, je sais plus qui c'est. Donc dites-moi. Qu'est-ce que je voulais dire sur Oreca? Ça fait partie vraiment des constructeurs. Quand on parle de constructeurs français, on pense à Renault, à Peugeot, à Citroën. Et pourquoi pas Bugatti, si vraiment on veut tirer. Mais on oublie ces constructeurs plus privés qui ne font pas des, qui sont là pour le sport automobile. Ligier n'a pas compté les voitures sans permis qu'ils font, mais voilà, il y a Oreca, il y a Ligier, même si Ligier c'est quand même fait un peu ça existe toujours, hein. Mais ça concurrentiellement par rapport à Oreca ça marche moins bien, mais Ligier est toujours là. Il y a quoi, il y a Mégane, il y a même Duquesne et tout, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de il y a une base extrêmement forte. C'est ce que je disais par rapport à la fin de la vidéo sur le Grand Prix de France. Il y a une culture du sport auto en France qui est gigantesque, et c'est ce genre de constructeurs qui le prouve, quoi, qui le démontre. Oreca est peut-être le plus grand parmi eux, parmi ces constructeurs privés qui sont là pour le sport automobile. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois. Sinon, des bisous. Attendez. Des bisous, mais attendez. Hypercar. On va regarder. Hypercar engagé. Qui c'est qui a pris un châssis Ligier? Lamborghini, ouais, hop. Let's go! Et BMW, c'est Dallara. J'ai hésité à dire BMW, je savais pas. Voilà, donc en gros, on a Acura et Alpine qui sont en Oreca et Porsche en Multimatic. Voilà, dont les 4 ont été sélectionnés au moins une fois. Et c'est vrai que cette année, du coup, il y a les 4 avec Acura, BM, il y a les 3, pardon, mais il manquait Ligier. Voilà, on va voir ce que ça va donner, Ligier. Bisous!